C'était mon devoir. Merci, François Stanislas. Donc, alors, merci à ceux qui ont rendu leur copie. Passons donc au thème principal de notre cours. Je vous rappelle que nous parlions de poésie. Entrez. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je suis en retard. C'est parce que... C'est bon. Parce qu'il y a eu un problème dans... Bon, Momo, rentrez. Et vos affaires, Momo? C'est là, c'est bon, c'est bon. C'est votre devoir, ça. Vous avez fait votre devoir, hein, Momo, j'espère. Mon devoir? Le devoir de poésie. Non, pas si, ouais, je l'ai fait, mais je l'ai laissé chez moi. Vous l'avez laissé chez vous? Ouais, je me disais, comme ça, je le ramène demain. Je pensais que c'était pour demain. Comme ça, j'y réfléchis encore un peu ce soir, quoi. Bon, c'est très bien, Momo de... Bravo. Merci. Très bien. Bon, mais bien. Bien, nous allons procéder à la lecture de la poésie. François Stanislas, prêtez votre livre à Momo, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Page 66. 66. La Bohème, tout à fait. Page 66. La Bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon patelot, c'est quoi ça, monsieur? Continuez, Momo, nous verrons le vocabulaire. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, j'étais ton féal. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Range-toi. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Vas-y, n'importe quoi. Fais rire, toi. Putain. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vent de vigueur, ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur. Arthur Rimbaud. À cause de son extrême sensibilité, le poète, Arthur Rimbaud, comme l'a dit Momo, merci Momo, supporte très mal toutes les laideurs et les souffrances de... Momo, non mais... C'est pas moi. Momo, je vous ai vu, ça suffit. Alors si vous n'êtes pas assez intelligent et si ça ne vous plaît pas tout simplement pour être ici, vous pouvez sortir. Mais enfin, c'était une façon de parler. Ah ouais? Ça c'est une façon de sortir. Momo, reviens! Bah, dans tes rêves! Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Les Momo, les machins, jamais marche! Me crie, ou pas? Mais, monsieur! Monsieur, revenez! Vous nous avez pas donné au travail! Bande de petits connards! 30 ans que je reste métier! On est là! Monsieur, revenez! Vous nous avez pas donné au travail! Bande de petits connards! 30 ans que je reste métier. On est là. Ben, vive la rentrée.